C.E.S.T. un rôle qu'elle attendait depuis longtemps. Claire Kaim et Claire Borotra incarnent deux sœurs dans le téléfilm Maman a disparu, diffusé sur France 3 ce mardi 14 mars. Éloignées par la vie, Louise, Claire Borotra, et Céline, Claire Kaim, se retrouvent après la disparition inquiétante de leur mère. Malgré l'enquête des gendarmes, les deux sœurs au caractère si opposé décident de mener ensemble leurs propres recherches. Ce qui les poussera à révéler des secrets de famille jusqu'à bien enfouis. Un thème qui intéressait particulièrement les deux actrices principales. Jamie, ces personnages qui ne se dévoilent pas complètement, expliquait Claire Kaim dans les colonnes de Télé 7 jours le 6 mars. Et sa consoeur d'ajouter, je trouve que ces histoires de fratrie ne sont pas traitées si souvent que ça. Les disputes, les réconciliations, si est-ce qui intéressant, universel, avec une part d'humanité importante. Mais si Claire Kaim et Claire Borotra tenaient tant à endosser le rôle de ses sœurs, si est-ce surtout pour se donner la réplique l'une l'autre. Les deux comédiennes sont amies de très longue date mais n'avaient encore jamais pu jouer ensemble. On en rêvait, nous a confié Claire Borotra dans une interview à retrouver dans votre magazine Téléstar du 6 mars, avant de glisser, on se voit souvent au Pays Basque. Et de renchérir auprès de nos confrères, avec Claire, on est amis. On se voit régulièrement, donc on s'est dit que ce serait trop bien de tourner ensemble au Pays Basque. Un sentiment partagé par la chérie de Bichente Lizarazu. Parmi les premiers points qui l'ont motivé à accepter ce rôle, il y avait en effet la présence de Clairette. Claire Kaim, avec Claire, il y a une envie d'être ensemble, on se connaît depuis longtemps, mais on n'avait encore jamais eu l'occasion de travailler ensemble. J'habite au Pays Basque et elle y a des attaches, a confirmé Claire Kaim, avant de s'enthousiasmer, avec Claire, il y a ce côté famille, une envie d'être ensemble. Le tournage ne pouvait donc que se dérouler parfaitement. Et ce, d'autant plus, que les prises de vue avaient lieu dans cette région si chère à leur cœur. Si est en effet au Pays Basque que Claire Kaim est installée avec son champion du monde et leur fille. Claire Borotra, elle, n'est tombée amoureuse de la région qu'il y a 15 ou 20 ans, comme elle nous l'a raconté. J'ai d'abord découvert Biarritz, puis l'arrière-pays en tournant Meurtre au Pays Basque pour France 3, en 2014. Aujourd'hui, je compte chaque fois les jours qui me séparent du moment où je pourrai y retourner, nous lâche-t-elle. Un plaisir décuplé par la présence de son ami. On your